Hop là, salut tout le monde, c'est Pète Casque, halte à bord. Bon allez, je vais vous faire une petite vidéo d'un jeu qui s'appelle Propagation VR. Propagation VR. C'est en anglais, hein, a priori. Il a la particularité d'être gratuit, j'allais dire gratos, mais il est gratuit. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Rien que déjà la page d'accueil, comme j'allais dire, hein, ici. Le sas, c'est plutôt sympa. Je regarde les effets de lumière sur le rail, là, ça suit, c'est pas mal foutu. Bon, donc ici dans les settings, que peut-on faire? Ça c'est pour la size, ça c'est, ouais, je suis droitier. Standing, ça doit être debout. Ah d'accord, là ça change. Ah, debout assis. Recharger avec un bouton. Ouais, je vais laisser en automatique pour l'instant, je sais pas ce que ça veut. Instant, ça doit être rotation, ça doit être par angle. Ah oui, ça doit être clac, clac, clac par angle. Dash, je me rappelle plus ce que c'était. Dash, ça doit être nous-mêmes, je pense. Et continue, ah, continue, c'est de direct. Déjà, si je mets en continu, je mettrai comme ça à fond, parce que s'il faut se retourner vite et que je dois rester face à mes capteurs, car pour l'instant, je ne joue qu'avec mon Rift CV1. Avec les deux capteurs de face en façade, donc si je tourne et que je me retrouve dos au capteur, je perds le tracking. Donc limite, je vais jouer peut-être en instant comme ça, 90 degrés d'angle, clac clac, ça va être mieux. Audio, je vais baisser un petit peu le général pour baisser tout, parce que sinon on va pas s'entendre. J'espère que ma voix va passer par-dessus. New game. On va pas chercher non plus midi à 14h. On va commencer avec normal, hein. Tutorial. Slow enemy, fast enemy. Allez, on y va. Oh purée, déjà ça commence mal. Hop 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 hop. J'ai pris le train. Quoi? J'ai pris le train. Où ça? Dans la gueule. Ah, ouh. Alors déjà les mains, bien. Ouais, bah là ça fait vraiment très Half-Life, hein. Ah, welcome, ça je sais ce que c'est, welcome. Préparation, taper dans les trois tronches. Elles sont vraies. Hop là, ouh, ils sont mignons. Ardeur. Ah oui, d'accord, 1, 2, 3. Crochet. Ok, et voilà. J'ai les mains cracra maintenant. C'est pas cool. Ah oui, vous voyez là l'écran? Tac, tac, tac. Ah, il fait tout noir. Je vois rien. J'ai un pistolet. Ici, il est là. Putain, je suis en train de tirer sur mon câble. Attendez. Ah oui, mais je suis en train de reculer dans ma chambre. Et comme j'ai le câble de mon casque... De mon micro-casque, on va dire, plutôt. Non, attention. Ok. Facile. Bon, bah après, je... À force de jouer... C'est pas trop dur, ça. Facile. Facile. Ah, il faut tirer dans la tête, ça marche pas. Ah, puis de babal. Reload. Ah d'accord, et là j'ai pas mis le bouton. Par contre, il faut que je recentre mon truc de jeu. Attendez. Je reviens. Hop, attendez, je vais recentrer ma caméra. Faut que je recentre ma caméra, mon air de jeu, parce que là je me suis tendu le truc là. Et j'ai le câble hyper tendu de mon micro casque et je peux plus bouger. Si je recule, hop. D'accord. Et si j'avance comme ça et que je fais recentrage, réinitialiser la vue. Que dalle. Je suis là, mais je suis loin. Ah, mais non, c'est bon, j'ai coincé mon câble en dessous. Quel gland. Attendez. Je fais ma popote, je décoince le câble et ça va aller beaucoup mieux.
Merci, au revoir. Voilà. Excusez-moi. Hein. Drop your gun. Ah, c'est dans le dos, ça. Ouais, ouais, c'est un peu comme dans tous les jeux. Hein, on a les armes secondaires dans le dos. Ah, cool. Hop là, attends. Bam! Bim! Facile! Ah, il faut recharger à chaque fois. Ah, j'ai plus de babal. Et plus de baba. Ah, ben y'en a là. Ah, ben d'accord, on les met comme ça. Hop. Facile, facile, facile. Voilà, j'ai une perte de tracking énorme là. Ah, là, je suis trop. Il y a eu une sorte de bug. Faut que je m'avance un peu. Là, il y a mon câble qui déconne. Confort setting, setting, il faut appuyer où? Sur le petit bouton là. D'accord. Mais ça, bon, il est bien le setting là. Moi, ça me va. Hein, peut-être reload avec. Voir comment ça fait. Oh non! Non, 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 je me suis planté. Résume. Et comment je. Ah ouais, ça charge. D'accord. Alors là, pour recharger, c'est simple. On appuie sur A. Et ça change. Putain, ça en gagne du temps là, comme ça, à mon avis. Qu'est-ce qu'il faut faire là? The local. Ah, ça va être ça. Facile. Oh, il y a un mec qui a oublié sa ventoline. Oh oh, c'est là-bas que ça se passe. En tout cas, joli, hein, les armes elles sont bien faites. Bon, les mains, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Half-Life. Enfin, tous les jeux vidéo VR avec les mains comme ça, c'est. Allez, on va voir ce que ça donne. Par contre, ouais, j'étais en fixe, ça, hein, on peut pas se déplacer. Bon, après, c'était le tuto. On va voir ce que ça donne. Nom d'un petit bonhomme. Oh. Donc, je vous le rappelle, hein, le jeu, il est gratuit. Alors, je sais pas si c'est indéfiniment comme ça, ça sera comme ça, ou c'est une démo. Ça, c'est mon pistolet. Ouh, joli. Alors, attendez, je me déplace comme ça. Par contre, je peux pas me déplacer. Allez, c'est un sorte de truc de façon Time Crisis à mon avis. Ouais, je peux pas me déplacer. Ah là là, c'est, en gros, vous restez sur place et puis vous prenez des rafales de bestioles dans la tronche. Alors ça, j'aime moyen parce que. Quoi? J'entends gueuler là. Oh oh oh! Ouh! L'ostéopathe! À deux balles. Oh putain, il m'a vu. Bonjour. Oh, rien qu'une balle, il a pris là. Attends. Ouais, déjà, au niveau de la visée, c'est pas mal. Toma torta. Alors, pour recharger. D'accord. Il suffit d'appuyer sur le bouton. Ah, c'est bien, là, le rechargement automatique, là. Bah, pour ce genre de jeu, c'est mieux que d'aller chercher les chargeurs. Il n'y a pas besoin de tenir le bouton. Vous appuyez, clac, ça se charge tout seul. Ouh, j'adore. Et au niveau graphisme, c'est pas mal. Par contre, là-bas au fond, c'est super flou. C'est. Oh, il est là. Bon, pour l'instant, ça va. Hein. Je gère le truc. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il y en a deux. Attends. Oh, il y en a plein, ça y est, ça commence. Oh! Putain, on peut se défendre. Pas de bras, pas de chocolat. Par contre, le rechargement, il est pas rapide. Hein. Oh là là, ah non, mais j'aime pas ça, j'aime pas la musique. Voilà, non mais j'ai vu quelque chose arriver. Oh lolo!
j'entends des bruits partout. Oh. Et lui, il me tire dessus maintenant. Ah bah tiens. Fais pas la tête. Voilà, là, ça me fout du stress. Et les amis, ça fout le stress. Oh là, attends. Pas de tête. Ouais, c'était bon. Putain, ouais. Oh, heureusement que je sais déjà tirer bien. J'ai du bol parce que j'arrive à bien capter le truc. Et bon, à force de jouer au... Par contre, c'est chiant parce que moi, comme je peux pas me tourner, je dois rester face à mes capteurs. Ouais, à mon avis, avec un quest, un truc comme ça va être beaucoup plus sympa. Surtout que le jeu, il a pas l'air gourmand. Punaise, mais je suis bon en plus. No stress. Ah, je peux recharger aussi comme ça. Oh, 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 ça commence à aller vite, là. J'aime pas trop là. Ah oui, maman. Ah, en fait, on peut utiliser le bouton pour recharger rapidement, et on peut aussi utiliser... Ah, mais attendez, j'ai un fusil aussi, non? Mais ouais! La fête est plus folle. Oh. Sans alcool. La fête... Ouah, ça défonce. Tiens, pas de bras, pas de chocolat. C'est un peu stressant parce que ça commence à arriver dans tous les sens et être au milieu d'une pièce. Putain, il court vite. Je peux pas lui péter les pètes. Je peux taper? Oui. Ok, c'est bon. Ah, j'aime bien le fait de le faire le geste soi-même. Mamma mia, ça me met un coup de stress, les amis. Je sais pas où, regardez. Je peux faire charger comme ça. Oh! Oh, tiens. C'est un peu flippant leur truc quand même, hein. Oh là là, à bout portant comme ça, le canon dans la tronche. Allez, double salto en arrière. Bon, hey, les amis, en attendant le jeu. Oh, la tuerie. C'est lequel le dire? Oh, purée. Mamma mia. C'est flippant. Mamma mia. C'est toi qui me tire dessus? Pas de bras, pas de flingue. Oh la flip. Ouais. Oh là là, il y a un truc terrible là-bas. Je commence à flipper ma race là.
Oh là là, l'intensité que ça donne. Voilà. Oup, hop, 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 hop. Ah, il y a des potes à moi qui arrivent. Merci les copains. Ouh. Il a pété dans sa combinaison. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je lâche tout. Hop, 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 hop. Copinos. Parce que je suis sûr que si je retire dessus, ils vont me buter, c'est con, non? C'est d'accord. Ouais, finis-le, on sait jamais. Oh là là, c'est vraiment bien fait. Eh, hein. Hey, c'est gratuit, hein, les amis. Hein. Oui. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Les visiteurs. Ah, mais ça, vous pouvez me parler en anglais tant que vous voulez, les gars, je vous capte pas, là. Yes, sir. Allez, comme with you. Bonjour. On fait quoi même? Moi, oh, il y a un petit bruit là-bas. Allez. Vous me laissez tout seul, tu vas voir. Oh, me laissez pas tout seul. Non. Ça pue. Hey man. Eh les gars, et moi je fais quoi? Et alors je peux toujours pas bouger. Ouais, c'est bien du time crisis. Hein, vous voyez, c'est du jeu où. Mais je pensais qu'on allait bouger. Enfin, ouais, je sais pas, rester ici, faire une vague, aller se planquer. Ouh là là, oh là là, oh là là. Oh. C'est quoi le bruit? Il y a du bruit là-bas. Ah, je pense que mes copains, ils ont trouvé quelqu'un. Enfin, ou quelqu'un les a trouvés. Oh là, il y a la musique qui va. Oh, c'est quoi ça? Putain, mais c'est quoi ça? Caca boudin. J'ai mis une patate. Il a une souplesse, lui, dans le genou. Je vais prendre le fusil. Trop fort. Il fait noir en plus maintenant. Oh là là. Ouais, mais là on voit rien en fait. C'est assez flippant. Il y a que avec ça que j'ai. Oh regardez là-bas. Il y en a un qui arrive. Hein. Oh. Non. Oh 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 oh. Un petit peu ça. Oh là là, c'est flippant. J'aime pas du tout. Purée, puis il fait noir, c'est flippant. Je vais prendre le fusil. Ouais. Prendre le fusil. Ouh. Ouh. Hop, il fait noir, je vois rien. Bah, j'ai... Putain, attends. Ah putain, il a pas aimé. Oh, il y a une sale tronche. Ah d'accord, ça les excite. Oh oh oh. En fait, d'accord, quand on fait du bruit. Il est où? 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 Oh, je lui ai pété la tronche! Oh là là, je sais plus. Il y en a un là-bas. Et puis...
Ouais, bah au flingue c'est mieux parce que je les vois arriver en fait. Putain, mais c'est flippant! Ah, c'est une phase de flingue parce que. Sans. Y'a plus personne! Ça m'arrange! Allez, au pire, il y en a un autre là! Ouh. Ah, il y en a un qui arrive à quatre pattes là-bas déjà direct! Ouh, il se faufile! Il y en a un là! J'ai vu arriver! Ah, faut viser la tête, hein, sinon. Oh putain, il y en a un là. Ouais, mais là, j'appuie sur le mauvais bouton. Putain, je suis pas mort. J'ai appuyé sur un bouton, hein, ça m'a sorti du jeu en fait. Ouais, j'ai appuyé sous le bouton de rechargement et ça m'a renvoyé sur la page où on peut, comment dire, recentrer le rift. Hein. J'ai failli me faire buter comme un gland là. On peut les taper avec la... Oh purée. Oh, c'est trop flippant. Ah oui, en fait la lumière les attire. Même pas peur. Il y en a d'autres là ou pas? J'entends des bruits. Ah, il y en a là. Attends. Oh là 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 là, comment c'est bien fait! Après, c'est dommage, j'en ai que ici. J'aimerais bien qu'on change d'endroit là. Il y en a un là-bas au fond. Hii. Ah, il faut savoir tirer. Ah, c'est quoi cette lumière? Il y a deux. Wouah! Quelqu'un qui a foutu un gros flash, ça leur a fait peur. Excellent! Et franchement, le jeu pour l'instant. Excellentissime! Il y a toujours un petit effet de flou là-bas, mais en fait, on s'en fiche parce que c'est tout se passe ici. Oh! Oulolo! Des araignées! Il y a une grosse araignée qui vient de passer. Grosse araignée, gros flingue. Il est où? Oula! Oh là là! Oh là là! Ah, j'entends les voix. Salut les potes! Mais vous êtes pas morts? Hop 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 hop, c'est bon. Oh! Oh! Attends, attends, attends. Oula! Il y a une petite. Oh, il y a des araignées maintenant. Attends. Quoi ces merdes?
Non, là, faut gros flingue. Obligé. Ah oui, bah, c'est facile à tuer ça. Oh purée. Ah oui. Ah, on peut leur taper. Oh, il y a l'araignée qui a vu. Faut regarder à droite et à gauche avant de traverser. Bon, ça va, les gros là, les gros trucs comme ça. C'est moins flippant en fait les bestioles parce qu'elles sont grosses, elles sont lentes. Ouais, vous voyez, alors mais. C'est assez facile à tuer. Alors, aux flingues aussi, on arrive à les avoir. Bon, pour l'instant, le jeu est vraiment sympathique. Hein. Hop là, il y a des petites bébêtes là. Bon, ça va, on arrive à leur faire leur. Si on a en leur flingue de long. Attendez, hop, hop. Ouais, il va falloir faire une tête au carré de loin, quoi, en fait. Ah, il y a des petites araignées là. Ah, c'est dommage qu'on ait un seul environnement. Par contre, j'ai pas de jauge de vie. Bon, les grosses araignées, elles font moins peur en fait. Wouhouhouhou! Sans balai de Mars aussi, non? Putain, mais elles arrêtent plus ou quoi? Elles font des petites esquives là, comme ça. C'est bon, y'en a plus? Oh la vache! Ah, y'a un battement de cœur énorme. Oh là là, ça pue là, attendez. Je vais me faire défoncer là. Ah, il fallait tirer dans son bide. C'est bon? C'est tout? Oh, attendez. Hop, 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 ça bouge! Oh la vache, mais c'est quoi ça? Bonjour! Oups là! Lui aussi, il a failli prendre le train dans les dents. Oh là là! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Ça pue, il est où? Ah! Il y a la poussière qui vient de tomber là-haut. Non. Ou QTM. Ouh, le train. Tout est chargé. J'aime pas ça. Ouais, j'ai déjà, je vais me refoutre face à ma télé. Oh putain, mais c'est quoi? Ah, il est là-haut. Thomas. Oh, il est là. Oh putain. Oh attends, attends. Il est pustule. Ah ouais, j'ai pigé. Faut tirer sur les pustules. Ah, il en a un dans le ventre. D'accord. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Putain.
Ah, j'ai pigé. Il est dans la main aussi. Eh ouais, ça pique, je sais, mais bon. Ouh! Hop là! Ah, il faut le calmer. On fout. Ouais mais... Oulala, qu'est-ce que c'est ça? Ah, dans la tronche. Oh là là là. Ouais. Putain, il bouge tout le temps, mais arrête de bouger. Putain, il va me défoncer. Tiens. Tiens. Casse-toi! C'est ça, rentre chez ta mère! Oh putain, qu'est-ce qu'il fait? Oh non! Il se régénère, ce con! Putain! Merde! C'est trop chaud! Ouais, c'est ça, va. Fatigué? Ah, il a un truc. Je peux pas avoir. Ah, il a un pustule, un truc dans le dos! D'accord. Oupa! Boum! Et paf le chien! Dans ta face! Punaise! Et Primus! Où ça? Dans la gueule. Oh là là! Oh là là! Oh attends, fusil. C'est bon? Ah oui, fin du jeu. Ok, d'accord. Oh excellent. Ça tire à la tête. Bit, ça fait un paquet de testicules. Je suis mort 0 fois. 2571. Ok, bah c'est bien. Bon bah voilà. Hein. Ah bah ok, bah du coup je vous ai fait tout le jeu. En fait c'était un niveau unique. Alors je sais pas, peut-être que ça va être. C'est une démo qui montre le style de jeu. Bah en fait c'est du Time Crisis. Hein. Voilà, sauf que là, on bouge pas de place. Dans les Time Crisis, généralement, on va faire une session de tir à un endroit. D'un seul coup, paf, on va partir à couvert à droite. On va tirer plus... Voilà. Mais, ouais, bah, franchement, graphiquement, excellentissime. Bon, bah, voilà, les amis. Hein, bah, je vous ai tout montré, du coup.
Voilà, donc si vous voulez le tester, bah, c'est sur Steam, c'est gratuit. Je pense que c'est ouais, une démo, peut-être pour un jeu qui sortira un peu plus tard en entier avec plus de niveaux. En tout cas, vraiment sympathique, les ennemis sont vraiment sympas, vraiment bien faits. C'est oppressant hein, parce que ça arrive de tous les côtés. Bon, après, à force de jouer à des jeux d'horreur, tout ça, on a un petit peu peut-être un peu moins la flip. Donc, c'est plus les nouveaux joueurs qui vont se taper. Même moi, là, j'ai quand même eu droit à ma petite séance de stress là, parce que ça arrive dans tous les sens, on se prend au jeu. Ouh, il y en a un là-bas, là, je l'ai vu passer. Et il y en a un là-bas. Donc, en tout cas, très très bonne surprise. En plus, comme c'est gratuit, autant en profiter. Donc, je vous le conseille. Donc, je pense que c'est vrai, c'est des jeux voilà, où il faut avoir plusieurs capteurs quand on a un ancien. Voilà, ou sinon, avec un Quest, le Quest 2. D'ailleurs, je me suis précommandé hein, le Quest 2. Donc, déjà, je vais pouvoir me libérer de tous ces capteurs. Sauf, bien sûr, quand je vais faire des jeux PC, où il y aura besoin du câble Link, là. Hein, voilà, qui est vendu pour la modique somme de 100 euros. Merci Oculus, bande d'enfoirés. Bon, ça on en reparlera hein, quand je le recevrai. Normalement, c'est livraison pour le 15 octobre. Donc j'attends de voir. J'ai pris la version 64 Go plus le câble. Bon, je sais qu'il y a un câble à l'intérieur fourni, mais bon, il est très court, paraît-il. Donc ça va être un jeu, ça va être bien pour jouer à des jeux assis. Maintenant, pour des jeux debout, il faut un câble très long. Le câble Link, il fait 5 mètres, c'est de la fibre optique. Donc, bon, voilà. Bon, de là, le vendre 100 balles, c'est un peu exagéré. Bon, enfin, bon. Hein. Donc, je verrai sur place, à ce moment-là, on en reparlera. Bon, bah, sur ce, les amis, moi, je vous laisse. C'était Appel au casque. Je dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.